Je m'appelle Alex Morgan, j'ai 25 ans. Ça fait près de 10 ans que je pratique les arts martiaux mixtes. Je suis maintenant professionnel en arts martiaux mixtes. Puis là, je suis rendu double champion canadien chez les pros. J'ai 2 ceintures professionnelles, puis je suis fièrement commandité par Alimentation Laitier. On appelle ça arts martiaux mixtes parce que justement, on prend les meilleures parties de chaque art martiaux, on les combine ensemble pour faire des combattants complets puis qui sont efficaces en combat réel. On se prépare tout le temps pour un 3 rounds de 5 minutes. Donc, ça prend vraiment beaucoup d'entraînement physique. Ça, on s'entraîne 2 fois par jour, 6 fois par semaine pendant le 2 mois de camp d'entraînement. Là. C'est important qu'on ait l'énergie nécessaire et qu'on s'entraîne intelligemment pour être capable d'arriver au sommet de notre forme juste à temps pour combattre. Ce qui fait la différence sur un athlète, c'est son alimentation. Moi, quand je m'entraîne, je m'assure d'avoir tous mes repas pour que je puisse avoir les nutriments nécessaires pour pouvoir performer à mon meilleur pendant mes entraînements. J'ai pas beaucoup de temps libre dans mes journées à cause de mon entraînement puis mon gym. Alimentation Laitier, eux autres, dans le fond, ils me livrent ma viande directement chez nous. Puis c'est facile pour moi parce que je mets ça dans mon congélateur. J'ai juste à m'en faire cuire facilement. Je amène ça au gym. Je peux manger direct sur place. C'est super important de bien récupérer, de manger des protéines. Je vais manger du poisson, du poulet. Je vais manger de la viande rouge. Des produits de première qualité qui sont super bons, autant au goût que pour la santé. Naturel. J'aime beaucoup la compétition. Mon but premier, c'est de me démarquer dans ma division puis d'aller chercher un contrat vers les grosses ligues. C'est le fun de voir que j'ai du support derrière moi puis que le monde croit en moi. Un bon soutien, un bon coach, des bons commanditaires. Fait que ça me donne un petit boost d'énergie et ça me force à continuer. T'sais. Puis c'est pour ça que j'abandonnerai pas. Puis même si c'est difficile, bien, je vais continuer puis je vais me rendre où est-ce que je veux aller.